J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Sur cette aventure suivie, hein. Donc, je vais continuer à faire mes patates. Et donc, je vous avais posé la question, vous, en tant que mes abonnés, qu'est-ce que vous préférez comme machine pour que j'encile? Donc, vous m'avez dit la classe. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je vais acheter cette classe. Alors, elle se trouve où? Elle doit être par là. Ça doit être celle-ci, je crois. Parce que j'ai la classe Lexion, donc ça doit pas être celle-ci. Je crois que c'est celle-ci que je vous avais proposée. Donc je vais acheter celle-ci et sa barre de coupe bien sûr qui va avec, que je crois que c'est celle-ci, ouais. Donc même si je me suis trompé, dites-moi le dans les commentaires, je modifierai ça par la suite. Donc comme je vous le disais, donc je vais aller continuer. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas ramassé mes ballots de paille. Je vais mettre un ouvrier là. J'ai eu des commentaires qui m'ont demandé de baisser le son du jeu et j'étais déjà baissé au maximum, donc ben, j'ai carrément arrêté le son du jeu carrément. Donc comme ça vous pouvez m'entendre clairement, précis. Hop, je crois qu'on est bon. H. Alors attendez, pourquoi ça va pas marcher? Hop, je vais mettre un ouvrier pour commencer. Est-ce que ça fonctionne? Non, pourquoi ça ne va pas fonctionner? Que se passe-t-il? Je vais remettre. Alors, V. Voilà, j'avais pas mis en route tout simplement. Veuillez m'en excuser. C'est un truc tout bon, tout con comme on dit. Bon, je vais mettre l'ouvrier le temps que j'amène mon tracteur de patates pleine. En espérant qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Ce serait bien. Il est où ce tracteur, quoi. Par contre, je pense peut-être changer de remorque parce que celle-ci, elle n'est pas énorme. Donc aussi, là, j'ai un champ à déchaumer. Et y planter quoi, je sais pas. Dites-moi-le dans les commentaires ce que vous voulez que je plante. Du colza, ouais, pourquoi pas. Du colza. Je vous propose du colza. Si vous voulez que je plante du colza, dites-moi-le dans les commentaires. Bien sûr, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube. Mettez-moi ce que vous pensez, donc vos commentaires et des j'aime hein, si vous aimez, bien sûr. Par contre, je suis en train de me demander si j'ai un cultivateur. Je suis en train de me demander où est mon cultivateur. Je ne sais pas où il est passé. Je ne sais plus. J'arrivais trop vite.
Donc on pouvait voir les patates, j'en ai pas mal. Il faudra que je fasse de la paille. En vrac et de l'herbe, bien sûr, que je ferai dans le prochain épisode, je pense. Ça donc c'est fait. Donc pour information, je vais vous dire donc ben je reprends le boulot donc ce soir. Je ferai une vidéo demain et dans le week-end si j'ai le temps, mais je m'arrangerai pour vous poster au moins un épisode de mon aventure suivie sur. Sur la Belgique profonde, je m'arrangerai. Pour la semaine prochaine, par contre, convu que certains de mes abonnés savent que je travaille, donc malheureusement je travaille en 3-8. Donc je m'arrangerai pour la semaine prochaine, ben ça sera un peu en décalé. Donc lundi déjà je travaille pas, je vous rassure, lundi je travaille pas. Donc je ferai ma vidéo normale. Et par contre, à partir de mardi, je vous ferai la vidéo du mardi pour le mercredi et ainsi de suite. Ça sera un peu en décalé. Si je ne suis pas trop crevé, j'essaierai de vous en faire de la poster le soir même, mais sans grande conviction. Je voulais acheter, ah oui, une autre remorque plus grande. Alors, c'est celle-ci, la Grosgrainer 80. Qui est pas mal, je vous avouerai, parce que vu sa capacité, elle fait 80 millilitres, je crois. Donc, c'est une bonne machine. Je vais la téléporter. Champ numéro 23, j'avais planté quelque chose. Je sais plus. Qu'est-ce que j'avais planté au champ numéro 23? Ah oui, de blé. Du maïs. Donc j'ai encore du maïs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 champs. Ben, je fais 3 et 3, oui, parce que je vous avais demandé ce que vous voulez, comment je voulais que je fasse le maïs. Donc soit en grain, soit en fourrage ensilé. Et j'ai eu des. On m'a dit la moitié. Donc ce que je ferai, donc 3 et 3 qui feront 6, ça fera la moitié des champs, qui est parfait. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais téléporter cette remorque. Hop. Hop. Donc c'est bon. Je vais prendre mon camion. Donc là voilà l'ancileuse. Si c'est bien celle-ci. Par contre, il n'y a pas de la barre de coupe pour le maïs. Ah si, elle est là. Elle est là. Alors, mon camion, il est où? Déjà lui, il est plein, c'est super. Ah, mon camion, donc, je vais le dételer. Je vais aller chercher cette remorque. Moi j'aime bien cette remorque, cette Agroyaner 80. C'est la même que la 40, à part que celle-ci elle contient 80 000 litres, je crois. Et l'Agroyaner 40 contient 40 000 litres. Je crois que c'est la seule différence qu'il y a. J'en ai trouvé une autre, une 80 000 litres, une 100 litres, pardon. Et je crois que je ne l'ai pas gardée. Alors pourquoi, je ne sais plus. Mais j'en ai trouvé une et je ne l'ai pas gardée. Je sais plus le pourquoi du comment. Hop. C'était juste. J'ai failli me prendre la barrière. Ah là, c'est parti. Donc, je vais aller chercher ça. Je vais enlever ce truc là. Mercredi.
Voilà, ça sera beaucoup mieux pour vous. Donc, sur cet épisode-là, je pense que je vais finir le champ de patates. Comme ça vous fera une petite vidéo à peu près de 25-30 minutes. Je pense que c'est raisonnable. Donc, comme camion, c'est un Mercedes, si je ne me trompe pas. Petit mode sympa aussi, hein, si je peux dire, que j'apprécie. On m'a demandé aussi avec quoi j'utilisais, je pense que pour, c'était Hugo, je crois. Ferré ou un truc comme ça, excuse-moi si j'écorche ton prénom, ton nom, mais Uyo, ça c'est sûr, me demander avec quoi je faisais mes montages. Donc, pour filmer déjà, je filme avec Fraps, logiciel pour filmer, donc c'est Fraps. Montage pour monter mes vidéos, c'est Pinnacle Video Sping. Et comme logiciel de formatage, parce que comme vous devez le savoir, avec Fraps, ça fait des gros dossiers. Donc j'utilise en fait Format Factory pour compresser le dossier. Enfin, le ou les dossiers qu'il y a selon les vidéos qu'on a effectuées. Enfin, effectuées, faites plutôt, on va dire. Oh putain, il en a fait pas mal. Avant qu'il s'échappe. Ça a l'air bien de se remplir en tout cas. Donc, je vais remettre la machine en route. Et c'est moi qui vais le faire. Je vais me mettre correctement et c'est reparti en deuxième. Alors tous les modes que j'utilise bien sûr, c'est soit sur Planète, vous les téléchargez sur Planète, soit sur LS 2013, donc Farming, ou le site officiel de bien sûr de Farming. C'est quoi ce bordel? Il y a des patates à moitié arrachées ou moitié plantées, je sais pas. Le problème avec les ouvriers, ils en laissent la moitié. Hop, je vais reculer un petit peu. En espérant pouvoir choper ces patates. Je sais pas si je les ai eues. On va bien voir. Ouais, c'est pas pour quelques patates qui restent que. Je crois que je vais faire le tour du champ comme ça. Ouais, ça sera beaucoup mieux. Que je suis en deuxième. Ouais, j'y étais. Donc bien sûr, toutes les personnes qui souhaitent jouer en multi avec moi, comme vous avez vu les vidéos, donc demandez-le moi, il n'y a aucun problème. Hein. Vous serez bien les menus, comme Romaric, ça fait déjà deux fois et
Et je leur remercie de participer pour en multi avec moi et d'autres, bien sûr, hein, comme Tom et pour l'instant. Donc, mais bon, tous mes abonnés sont les bienvenus. Je peux mettre minimum pas mal de joueurs, enfin 3 ou 4 déjà. Mais bon, vous serez les bienvenus si vous le désirez, sans aucun problème. Je vous avouerai que ça fait bizarre de pas avoir de son de machine, de tracteur, ça fait vide. Mais bon, au moins vous entendrez clairement ce que je vous dis, parce que c'est vrai, des fois moi quand je revisionne la vidéo, j'ai beaucoup de mal à m'entendre. C'est vrai que. Et pourtant, j'avais le son du jeu à 10. Donc je peux même pas mieux le baisser. Donc c'est soit 10, soit rien du tout en fait, au niveau du son. Donc bien sûr, les patates, j'irai les vendre quand il y aura une forte demande. Comme ça, si je peux dire, je serai tranquille pour la suite. Quoi vous dire de plus? Oui, je ne vous ai pas demandé si les vacances s'étaient bien passées, la rentrée aussi. J'espère que vous avez passé une bonne vacance, que la rentrée s'est bien passée pour vous après vos vacances. C'est quoi ce gros bordel de tri là? Hein, c'est l'ouvrier qui en a planté les patates la dernière fois. J'ai carrément zappé de vous le demander si c'était bien passé pour vous. Donc, on met au fini ce côté-là, 70%. Je pense que quand j'aurai fini ce côté-là, je pense que ça va. Faire la machine à patates complète. Il y a des chances qu'elle soit remplie. Et que mon camion aussi, enfin, du moins la remorque, et reculer avec. Je pourrais en acheter une deuxième, hein, pour mettre à l'arrière, mais le problème c'est que je ne sais pas reculer avec un double essieu. C'est ça le problème. J'ai pas mon poignet poids lourd. Ce truc que j'ai, c'est mon poignet voiture, c'est déjà pas mal. C'est une bonne chose. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sans permis de voiture et sans voiture, on fait, si je peux dire, plus rien. Malheureusement, pour se déplacer, on peut strictement rien faire. Et surtout qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport au permis, maintenant vous avez 6 points, et 6 points, c'est vite perdu. Je vous garantis que moi, à l'époque, quand j'ai passé mon permis, il n'y avait pas l'histoire permis à points. Donc j'avais mis 12 points, mais voilà. Je veux dire, vous faites un feu, vous faites une ceinture, vous oubliez de mettre une ceinture, vous voyez un feu, un peu d'alcool dans le sang, vous dépassez le taux légal, et ben vous êtes déjà hors la loi et vous perdez pas mal de points. Déjà pour une ceinture, c'est 3, il me semble. Enfin, ça va, c'est quand même assez vite. Hein. Un feu, je crois que c'est 3 points, une histoire comme ça, je crois. Je connais pas le code par cœur, mais bon, enfin, une perte de points, mais je veux dire. On les perd assez rapidement, ça je vous le garantis que c'est tolérance zéro, hein, comme on dit.
C'est la tolérance zéro pour ça. Donc je vais rattaquer du bas là-bas. J'ai fini de ramasser à 80%. Les 20% restants. 23 exactement. Désolé, un message. Là, ça sera pas sans patates, ça sera des patates à cuire ou à faire en friteuse ou à la poêle ou en frites, comme vous voulez. Enfin, c'est des patates. Et je vais être obligé de les rouler dessus. Quoique, peut-être pas. Je suis pas là de mon camion. Ouais. J'ai. Aller directement au camion. Là. Comme je suis à côté de mon camion, c'est nickel. J'en mettrai l'ouvrier. Hop, de l'autre côté. Mettre l'ouvrier en route et moi je m'occupais de mon camion. Moi je trouve pas mal cette remorque. Avec grande capacité, on peut mettre beaucoup plus, enfin voilà. Bon, vous allez me dire, c'était un camion de dépannage de voiture ou c'est hors quoi qu'on voit exceptionnel. Mais non, enfin je pense pas. C'est bizarre, il n'y a pas de voiture qui passe. Un peu étonnant, mais bon, pas bien grave. Si, bien sûr, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous avez des infos ben, pour la map BJ profonde V3, alors je sais pas, on m'a dit qu'elle sortirait au mois de novembre et puis on m'a dit qu'elle sortirait sûrement en 2014, alors je sais pas. Si vous le savez, dites-moi le. C'est sympa de votre part. Allez, hop. On va vider ça.
va reculer. Vous avez vu, il y a le feu de recul qui se déclenche. Je trouve ça sympa. Comme vous pouvez le voir, apparemment, j'ai pas mal de tonnes de patates. Alors, est-ce que tout va y rentrer? Je sais pas. Apparemment, encore le silo, il est pas plein. On va remplir à toc. Hein. Petite affaire. Ben, à toc. Tout ce que j'aurais mis là. Et puis je ferai ouais, du colza à planter. Je crois que d'ailleurs, j'en ai jamais planté du colza. Ouais, je planterai du colza. Ce sera pas mal. Ça me rapportera plus facilement des sous. J'y vois rien. Stop, stop, stop. Avant que tu tombes à... Putain, je sais pas, on est tombé à la flotte. L'autre... Mon ouvrier hors pair, enfin hors pair. Mon ouvrier... Il a dû remplir la remorque déjà. Enfin, la machine à patates, elle doit être pleine, je pense, ou pas loin. Parce que je vois pas tourner là, je vois pas rouler. Il est passé où? Moi je vois pas, je sais pas où il est. Pourtant le champ il est là, je vois pas. Ah, apparemment il s'est coincé là-bas cette voiture. Ah non, il arrive. Ben, où il est plein, où il s'est coincé. Mais je pense que plutôt qu'il doit être coincé, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non. Je le crois pas. Vous le croyez, ce qu'il a fait, il a sauté carrément le mur. Oh la vache. Il a carrément sauté la barrière, cet abruti. Oh là là, je vous jure. Hein, il est passé à travers la... Il est passé carrément à travers. Comment il a fait ça? Parce que même moi là, j'essaie de passer. Peut-être pas plutôt le tenter. Il est passé carrément à travers. Oh, je crois pas. Alors, est-ce que maintenant je vais pouvoir ressortir de là? C'est moins sûr. Bon, ça j'en étais sûr. Ben, il me reste plus qu'à replier la machine. Si ça veut bien. Ah bah oui, il faut pas la replier du fait qu'elle est pleine, c'est vrai. Ouais, une chose à savoir, vous pouvez pas replier les machines si elles sont pleines de patates ou de betteraves. Je vous le dis pour guise d'information. Fais-moi plaisir, passe
Passe. Putain, c'est pas vrai. Pourquoi tu veux pas passer? Dis-moi, tu veux pas pourquoi tu veux pas passer? Yes. C'est pas mieux. Attendez, je me suis bien coincé là. Comme quoi, d'avoir des chenilles à la place des pneus, ça sert bien. Ça sert, je vous garantis que ça sert bien. Attendez, je vais faire demi-tour. Je vais essayer de reprendre les petits morceaux que j'ai oubliés, mais bon, vous allez me dire, c'est pas bien grave. Je vais repartir dans ce sens-là, ce sera un peu mieux. Ça fera quelques patates en plus, mais apparemment, il ne devait pas rester grand-chose. On va finir ce champ là et puis la vidéo s'arrêtera là. Soixante-dix pour cent. Quatre-vingt-treize. Chercher mon camion, puis je roule un peu sur les patates. Alors pourquoi tu démarres pas toi? Pourtant il n'y a pas le frein de tirer.
Hop, on va remonter dans la machine à patates. Continuer tout doucement, j'enlèverai bien sûr, je mettrai un ouvrier après. Il y a des trous. Quoi vous dire, je sais pas. Pour ça que je suis silencieux, je suis désolé. Je sais pas chanter en fait. Si vous posez la question, je sais pas chanter du tout. Je chante faux comme une casserole, comme on dit. Je suis désolé, je sais plus quoi vous dire, malheureusement. Oui, donc comme qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, ben je pourrais ouais, implanter. Voilà, donc ouais, je planterai du colza. Dites-moi ce que vous en pensez. Éventuellement. Bien sûr, je m'occuperai de mes vaches. Dans le prochain épisode, le temps. Ah oui, merde, le temps. Il n'y a pas de temps. Faut que j'avance le temps, bordel. Connerie. Hop, on va se remettre là. Ah, il y a le camion. Il semble bien. Il va y avoir quelque chose. Truc que je vais faire. Hop. Merde, quel con. J'ai oublié de mettre un ouvrier. Alors, finalement, j'avais su. Ça passe au travers, vous avez vu, c'est un magic farming, ça passe au travers des outils. Il faut que vite que j'attrape la connerie. On va essayer de prendre au plus large parce que bon. C'est vrai que bon, la machine elle est large. Je sais que par contre, il y en a une autre qui existe et que le devant se replie. Et moi, non. Pas sur celle-ci, du moins. Hop, je vais me mettre là.
Hugo, donc je crois que je te l'ai dit, mais je te le redis, je te remercie pour ton commentaire qui m'a fait plaisir. Donc j'espère que l'aventure continuera longtemps sur YouTube. Hein, Oh, il y a un petit bout, vous avez vu là-bas? Il reste juste un petit bout à ramasser. C'est con, je vais les ramasser. Comme ça, je serai tranquille. Et puis, comme vu que je suis pas loin du camion, tout ce que je vais faire, je vais vider la machine et ça me permettra de, comment dirais-je, d'aller vider le camion. Voilà, chercher le mot, vider le camion. Et comme ça, je pourrais remettre un ouvrier en place. Mais si je mets un ouvrier, il va me faire des conneries. Non, je vais pas mettre d'ouvrier. Je vais plutôt attendre de revenir avec le camion. Parce que comme vous avez vu, tout à l'heure, l'ouvrier m'a fait des conneries. Et ça fait pas. Ça fait pas du tout. 82%. Oh, quoique, non, c'est bon, là, finalement, il pourra probablement le faire. Quand même, il faut le faire, quand même. L'ouvrier qui a sauté la barrière. À mon avis, il n'a pas dû y aller de main morte. Donc aussi, oui, j'ai un projet avec un de mes abonnés. Ce serait sur Belgique profonde, si je peux dire, il m'a modelé une carte pour faire des courses de quad. Alors, toute personne intéressée, qui me le mette dans les commentaires. Mais je ferai une vidéo annonce hein, par rapport à ce projet-là. Et je vous tiendrai au courant pour ça. Mercredi. Le camion. Donc, mais je vous mettrai une annonce, une vidéo annonce. Il faut que je voie comment faire, quel jour, excusez-moi, je bafouille. Tel jour pour le faire, et je pense que ce sera plutôt un week-end, donc un samedi, je pense, pour vous, si vous voulez participer à ce projet. Donc, ce serait des courses de karting, de quad sur Belgique profonde V2. Donc bien sûr, ce ne serait pas sur la partie où je suis, hein, ça sera une autre partie, une autre carte, mais ce sera la Belgique profonde. Alors c'est un de mes abonnés qui m'a passé la carte et qui a fait le montage. Donc c'est Mathias qui est à l'origine de ce projet. Donc il faut que je voie avec lui. Et dites-moi-le dans les commentaires si vous voulez participer ou pas à ce projet. Mais comme je vous dis, je vous mettrai une vidéo annonce. Est-ce que ça va le faire? Bien, crédit, ça le faisait. Va moins vite. La remorque avec pleine. Plein. Je vais finir de ramasser ça.
continue, ça va pas faire les 60%, je pense pas, au moins 65, je sais pas, mais il reste pas grand-chose. Les 50, ça va être limite 50, oui. Pas 60, 50. 51, même pas. Allez, 51, si, 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 51. Bon, je vais aller vider ça. Comme on dit tantôt après ça, cela, et eh ben je vous laisse, je vous laisserai. Hop. Je vais aller vider la remorque. Allez, on va vider ça. Ça fera un peu plus de patates dans mon hangar. Stop. Et merde. Je me suis bouffé l'arbre. Décidément. Même, je vous l'ai dit, j'ai pas mon permis poids lourd, donc je sais pas conduire un poids lourd. Non, je déconne. C'est mieux facile à conduire qu'en vrai, hein, je vous rassure, enfin, j'imagine. Ah, pas oublier de tourner, bien sûr. Ça me fait ça, pas grave, on va s'arranger. C'est parfait. Ça paraît pas, mais on peut en mettre des patates, hein. Je sais pas combien j'ai de tonnes de patates. Ça c'est la carte. Prévision météo, non, c'est pas ça. Finance, non plus, statistique. Patate, hein, et ben 274 722 tonnes. Ça commence, sans compter ce qu'il y a dans la machine à patates. Est-ce que je vais pouvoir passer? C'est chaud, mais ça passe. Donc, je vais vous laisser sur cette fin de
Oula, 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 oula. J'ai failli lui entrer dedans si j'aurais pas ralenti. Le fait que je me bouffe. Poteau. Donc, je vais vous laisser sur cette belle fin de vidéo. Donc, ben abonnez-vous, hein, mettez-moi des pouces verts, vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Bye bye à tous, bye bye.